Tu as déjà fait quelque chose que t'aimes bien faire, mais tu sais que tu ne devrais pas le faire. Si cela t'est déjà arrivé, sache que tu n'es pas le seul dans cette lutte. De nombreuses personnes, lorsqu'elles trouvent le chemin de la vérité, elles décident de le suivre et d'abandonner ce comportement incorrect. Cependant, cette décision n'est pas facile. Comment laisser de côté des habitudes construites pendant une vie tout entière? Il advient alors un grand conflit entre ce que je sais qu'est le mieux pour moi et ce que j'aime bien. J'ai déjà connu de nombreuses personnes qui savent que leur comportement est incorrect et destructif, mais elles n'arrivent pas à arrêter de le faire. C'est comme quelqu'un qui chemine en direction à l'abîme. Il sait qu'il va tomber, il sait que la chute va faire mal, mais il n'arrive pas à changer de direction. Pourquoi cela nous arrive? La réponse est dans notre nature. On voit bien, notre problème réel n'est pas nos actions, mais notre essence. Notre cœur est corrompu. Ainsi, ce ne sont pas nos péchés qui nous rendent pécheurs, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. T'as compris? Les actions pécheresses sont seulement les fruits de la nature pécheresse qui est au-dedans de nous. C'est pour cela qu'au chapitre 13 de Jérémie, au verset 23, nous trouvons le véritable dilemme du pécheur. Écoute, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? La réponse pour la question de Jérémie est un non bien fort. Aucun être vivant ne peut changer sa nature. C'est pour cela qu'il est impossible qu'un pécheur transforme sa vie et ses habitudes. On peut même faire semblant, nous déguiser, mais dans l'essence, nous continuerons les mêmes. Celle-là est une vérité terrible mais nécessaire. Seulement après avoir accepté que nous n'arrivons pas à nous changer, nous pourrons alors chercher la solution en dehors de nous. Si je n'arrive pas, c'est l'heure de laisser de côté le moi et chercher Dieu.